Allez, prends-le, allez. Venez. C'est le même groupe, hein? Oui. Venez. Ça, c'est le plus haut. C'est bien pour là. Palais, hein? Ça, c'est le haut extrême. On a pris les coordonnées au haut estrant. Après, on a pris les coordonnées au bas estrant, ainsi que le milieu. Donc, on a enregistré les coordonnées dans le GPS. Voilà. Et puis, on a fait la test. On a posé des échantillons pour vérifier la texture du sable. Et on constate que c'est la taille des sédiments aussi est très petite. Elle est fine. Non, la taille. La taille, ouais, pas dit petit. La taille est petite. Non, la texture est fine. Là-bas. Voilà, par rapport à Fridi. Voilà. La texture. Allez, là-bas il y a de l'eau, donc on sent que c'est un peu pâteux. C'est la même chose. Ici elle est très très fine. Pourquoi on le pointe? C'est 790. 791. Ah, c'est 791. Il y a un point qui n'est pas bon, tu m'as dit, on a gagné pas là-bas. 791. Le dernier point. Mm-hmm. Là, on a réussi les coordonnées. Donc là-bas, c'est devant le haut estran, c'est qui est pris. Non, c'est ici le haut estran. Là-bas, c'est le moyen. Au milieu, le 789, c'est le moyen. Mm-hmm. Maintenant, 788, c'est le bas estran qu'on a pris. Voilà. On a réussi les coordonnées déjà. On a remarqué qu'ici, la texture, bon, la taille des sédiments est très petite. C'est bon, pareil. Non. Tu te rappelles tout à l'heure? C'est tout différent. C'est différent. Différent de petit bassam là. Wow. Très différent. Et là-bas, c'est comment? La terre est un peu grande. Elle est grossée là. Voilà. Là-bas, c'est moins grossier. Avec ça, vous êtes moins grossier. Si on est à l'est. On est dans la zone assez bien, hein. Jusqu'au Ghana, tout ça. Donc les sédiments, j'ai l'habitude de montrer, les sédiments. Mais comme vous allez voir, à l'ouest c'est plus grossier. Et puis on va à l'est, à terre des sédiments diminuent. Voilà, donc effectivement, vous voyez que c'est très fin. Très fin encore. Ça dépend des dépôts des sédiments. Voilà, donc maintenant justement, comment on explique ça? Pourquoi
pourquoi ici, pourquoi les éléments ne sont pas posés ici? Pourquoi, voilà. Bon, mais selon moi, quand il y a dépôt des sédiments, ouais. Les éléments grossiers se déposent d'abord, ouais. Et les éléments les plus fins, comment on peut dire en haut, genre, en hauteur disons. Ça. Donc en quittant l'ouest vers l'est. Vers l'est, la taille des éléments diminue. Très bien. À mesure. Très bien. De gros en petit. Très bien. L'eau, ouais, non, les sédiments. Les sédiments. Les sédiments. Tout le temps, on a parlé à Chose, dans la réunion à Chose, dans la réunion à Chose là. À Grand Bassam là, tout à l'heure. En fait, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le transit sédimentaire. On a parlé de ça tout à l'heure à Grand Bassam. En fait, transit, c'est quoi? En fait, quand les vagues arrivent, là on est assis là, quand les vagues arrivent avec un mangue. Avec un mangue de 10 000, soit de 20, 30 degrés. Et quand les vagues arrivent, ouais, les vagues arrivent, en venant, ça vient les sédiments. Et les sédiments se déposent, quand ça vient, quand ça se dépose, voilà, là, la main comme ça. Et justement, quand il a, comme il a dit là, justement, vous avez que donc, le côté à l'ouest, c'est ça, quand vous êtes à l'ouest, là-bas, donc il y a un dépôt de sédiments. Et donc les vagues arrivent, elles se déposent, et le vent emporte les autres sédiments, comme il a dit, un peu en suspension, de l'autre côté. On a besoin des sédiments fins, les autres, je se dépose là, et puis les sédiments fins continuent leur dépôt. Donc, ça fait un plus fort, justement, à l'est, c'est les sédiments fins qu'on voit. Encore plus fin encore. Parce que là, vous savez, les tailles des grains comme vous, ça veut dire c'est déjà très fin. C'est ce qu'on appelle le transit sédimentaire. Là. Ce que vous voyez, en fait, c'est quoi? C'est le dépôt de sédiments de l'ouest. Parce que c'est la seule chose que nous voulons faire. L'ouest vers l'est. C'est-à-dire quand les vagues arrivent. La houle là vient avec le sédiment et le dépôt se fait de l'ouest vers l'est. Maintenant, c'est tout qu'il y a des situations, des zones où ça va de l'est vers l'ouest. Donc, je donne un exemple. De là-bas à ici, par exemple, ça va de l'ouest vers l'est. Mais si on fouille bien, si on fait une étude près de là, à partir de là, là, on peut faire de l'ouest vers l'ouest. Mais c'est ce qu'on appelle le bilan sédimentaire. C'est ce qu'on appelle, ça veut dire que positif. Il y a aussi qui est négatif, après on fait le bilan, voir effectivement, mais quel est le bilan? Est-ce qu'il y a déficit de sédiments? Est-ce qu'il y a dépôt de sédiments? Voir si c'est érodé ou si c'est engraissé. Oui, non? Donc même si c'est de l'ouest vers l'est, c'est pas qu'on finit. Il faut chercher si, dans l'autre sens aussi. S'il n'y en a pas, il n'y a pas de bloc. Parce que c'est ce qu'on fait pour savoir si la route là, ce qui l'a monté par exemple, où on l'a quitté là-bas, ça. Si vous avez bien remarqué, l'épi du côté est, il a dit qu'il fallait recharger dans le suivi 1 km de rechargement. C'est parce que pose les ouvrages là, les gens bloquent, tout à l'heure du quoi. Ils vont bien comme ça avec les sédiments. S'ils bloquent le ouvrage, c'est pas sûr que les sédiments puissent se déposer. Voilà. Donc ça veut dire qu'à long terme, un an. Dans 5 ans, il va être difficile, c'est l'érosion. Donc c'est quoi? Donc c'est pour ça qu'on ils vont recharger. Pour mettre les sédiments, pour les battre. C'est technique, hein, c'est un procédé. C'est... Où est-ce que non? Voilà, à chaque fois. Mais comme il a dit là, c'est fait suivi. C'est-à-dire que si près chaque 6 mois, ça c'est chaque 6 mois, tout le monde ça va. Hein. Et si les sédiments ça va, il y a l'érosion. Si il y a de la vie, ah mais si le sédiment qu'elle a, on a mis ça peut-être en décembre, en mars, on ne voit plus les sédiments avant. Donc le terre est quoi? Il recule. Il n'y a pas de sable, il n'y a rien. Il recule. Quand la mer arrive, il recule. Il y a une maison qui est là, Eh madame, tu viens. Ah mais ça c'était là, l'année passée là. J'ai mis cette année. Il y en a plus. Oui. Je voulais savoir simplement. Voilà. Petit passant, voilà. Je voulais savoir simplement. Le sable est fait. Le risque de l'eau est élevé. Oui. Qui peut appeler ça? Monsieur, vous dites. Le sable est fait. Le risque de l'eau est élevé. Monsieur, peux expliquer? Il y en a vu d'abord. Depuis quand c'est agi? Agi. On déjà plus on s'éloigne de l'ouest, plus on remarque que le sable est plus fait. Pourquoi? Parce que les éléments qui sont transportés sont les éléments. Ils ont roulé beaucoup, tout ça, c'est ouais, pas ouais. C'est bon, moi je dirais que puisqu'il n'y a pas d'élément grossier qui peut se poser,
voilà, donc il y a plus de résistance en fait. C'est fin en fait. C'est fragile. C'est fragile. Donc il y a quelque chose donc il est difficile. C'est pourquoi même ce matin, il me suis dit la parole de Richard Lemoine. Il y a même des types de sédiments qu'il faut choisir, justement. C'est parce qu'il y a des sédiments qu'on prend ça. Par exemple, on a ici la lance. On est prendre ça de Libéra. On voit ça. C'est pas comme ça. Si vous voulez résoudre le problème durablement, on peut résoudre. Ah, on est bien. Toujours chaque année. Chaque année. Donc, comme on y est, on allait prendre ça la Macori qui a. Non, mais vous savez, chaque année, on est bien. Je vais étudier. Il y a un kilomètre qu'il a dit. Dans le sable, dans la lagune là, quand je vais pas se fatiguer, dans le... ceux qui vont draguer dans la lagune là. Le sable, la lagune, c'est ce qu'on prend. Mais il a dit qu'en fait, ils ont fait une étude justement qui a montré qu'ils prennent le type de sable dans chaque dans les deux sables. Dans les coordonnées géographiques de sable. S'ils sont à 4 sables. Donc, c'est bon. Voilà, c'est ce qu'on prend. Seulement, ça estime maintenant le volume. Le volume de sédiment. Parce que, quand il y a un rechargement là, il n'y a plus pas qu'il y a érosion là. C'est pas ça là. C'est des quantités, voilà. Ça me dit quoi. Enfin, vous faites. Mais quand les travaux ont fini, ça là. Et dans le suivi, De chaque 3 mois, 6 mois, pour les jeunes sont bien en habitude. Ça, on a fait ça, même à Grand là-haut, on fait ça, c'est dans le flore. C'est le travail. Oui. Par exemple, il y a un entraînement.